Le dog est de retour. Alors avant de commencer cette vidéo, petite explication sur certaines choses. La première, c'est qu'en fait, j'ai augmenté mon poids. En fait, je serai plus jamais en surcharge. Là, vous pouvez voir que j'ai... je porte beaucoup d'éléments parce que j'ai fait des codes. Avec en ouvrant la console du jeu pour me rajouter des trucs pour pouvoir construire des abris pour les prochains personnages que je rencontrerai. Voilà, tout le monde a compris? Ben non. Enfin bref, voilà quoi. En fait, j'ai fait un code pour plus jamais être en surcharge parce que j'en avais marre de prendre un objet et d'être toujours surchargé. Et puis, c'est tout. Ah ouais, et puis je me suis rajouté tous les éléments pour construire du plomb, je sais pas moi, du bois, je sais pas, plein de trucs, vous voyez, pour construire des maisons ou des mitraillettes, pour les habitations des SDF que je croise dans le jeu, voilà quoi, en gros c'est ça. Bon, enfin bref, on y était où? Merci de nous avoir sauvés. Ah ouais. On peut dire que c'était moins une. De rien. C'était avec plaisir. Votre bonté est à la hauteur de votre courage. En tout cas, je vous suis extrêmement reconnaissant. J'aimerais vous donner ceci. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je pense qu'il est grand temps que je quitte définitivement cet endroit maudit. Je retourne à WRVR pour reprendre ma carrière à la radio. Humains sont riches, chers. Bon, ben c'est bien. Kong veut trouver l'aide aux tendresses humaines, vite. Ouais, ben c'est pas vers là que tu la trouveras. Putain, Piper, enlève cette armure. De toute façon, je sais comment faut faire pour qu'elle enlève son armure. Ouais, il faut que je cherche le chemin de la liberté. Il faut que je le suive, plutôt. Étant du signe. Ah, mère assistée. Oh, mais genre. Bon, faut que je me barre d'ici. J'ai cru que c'était Piper qui m'avait parlé, mais en fait, non, pas du tout. C'est un ennemi qui est là-bas. Qui est à haut. J'ai dû prendre un mauvais coup. Je crois que j'hallucine. Oui, tu hallucines. J'aurais voulu vous dire. Ok, bah là je crois que je peux me téléporter. Hein. Exact. Comme ça, je vais pouvoir prendre du plaisir à enfin construire des abris pour faire des nouvelles colonies. Parce que à chaque fois, je pouvais pas les faire parce qu'il manquait à chaque fois des pièces qui sont assez difficiles à trouver dans ce jeu, il faut le dire. Ça fait quoi là, quoi? Au moins, là, on peut dire que j'ai à peu près toutes les pièces. Hein. Pour pouvoir leur construire des défenses parce qu'en fait, je serai obligé d'en construire plus tard. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un super mutant, c'est tout. What? Attends, wow. Couche-toi. Mais regardez-moi ça. Ouais, c'est là, d'accord, ouais, c'est... Il n'y a pas une porte ici, normalement? Si, si, là-bas. Il a un bras assez bizarre, en fait. Bon, ouais, bon, bah, c'est cool. Bon, pour ceux qui savent pas comment suivre le chemin de la liberté, je vais vous expliquer. En fait, il faut commencer depuis l'autre bout. Mais je vais pas y aller, vu qu'il y a l'autre boloss, là. Et je tiens pas trop à le...
à l'affronter. Enfin bref. Ah bah, en plus c'est à partir de là. Voilà. Il faut lire bien sûr tout ce qui est écrit sur les trucs ronds là, que je vais pas faire parce que ça sert à rien vu que je sais déjà comment faire. Et il faut suivre la ligne rouge. Voilà quoi. Je suis détecté en vert moi pour. Ah oui c'est. Ah donc c'est Viper qui me détecte. Bon là je crois que je peux me lever. Voilà. Et on va suivre cette ligne rouge qui va nous faire visiter un peu cette ville en fait, voilà quoi. Faut j'aille où là? Ouais. Sauf que je vais pas non plus. Je me demandais c'était quoi en fait, c'était Piper qui était là-bas alors que je sais pas pourquoi. Là aussi, vous voyez, il y a un truc rond là, on peut le lire. 2 et A. 2 et A. En fait, ça vous donne l'ordre des lettres. En fait, là, il vous dit A, ça sera la deuxième lettre qu'il faudra activer sur une espèce de dalle que je vais vous montrer, hein, parce que je suis obligé de passer par là pour la quête principale. Qui est là? Personne. Ah, vous voilà. Non. Et là, je crois qu'il faudra que j'aille par là, il me semble. Je sais plus très bien s'il faut que j'aille tout droit ou pas. Mes oreilles me jouent encore des tours. Je sais plus s'il faut les tout droit, je crois qu'il faut les tout droit, mais je suis plus sûr. Hey, y a quelque chose. Ah ouais, nickel, voilà quoi, il faut aller là, je vais pas me faire chier non plus. À faire des affrontements. Et je me suis amusé aussi à faire plein de codes, genre plus de passe-muraille qui nous permet de traverser à travers tous les murs. Ou alors d'autres codes comme être un géant ou être à la taille d'une fourmi, c'était vraiment. Hein? Ah, très marrant. Putain, même il ne meurt pas. Ah, bah ça, ça sera trop efficace, ça, c'est rassurant. Et je vous le dis à quoi, je me rappelle plus. Ah oui, et puis j'ai vu plein de codes. Dont un code que je voulais vous en parler et que j'ai complètement oublié pendant l'affrontement des chiens. Moi, je vais passer par là ou pas, moi? Je passe. Ouais, on va voir, il y a quoi là-dedans déjà? Ah non, mais j'ai déjà été voir de toute façon. Ouais, voilà, on doit aller là-bas. Ah non, même pas en fait, on doit aller à. Dans une église. C'est quoi ce putain de code en fait? Je me rappelle plus du tout. Je me rappelle plus du tout, c'était quoi ce code? Bah, y a le code aussi pour me mettre plein de capsules au coup. C'est quoi ça? Personne. Non, c'est pas du tout ça que je veux faire. Pas du tout ça. Bon, bah, on va les tuer. Putain, franchement, il fait mal lui. Hein. Bon, qu'est-ce que je vais prendre pour le. Fracasser sa gueule. Un jour. Ça fait un bac que. D'ailleurs, je l'ai raté. Non, t'es le passé, mec. T'es décomposé. Si je puis dire. Et où? Ok. Bon, bref. C'est une église sainte, non? Con, t'as fait. Bon, tiens. Bitch! Oh, genre! C'est bon, tu le recharges quand tu veux. Alors, ça, c'est un putain de défaut qui me fait rager dans ce putain de jeu. C'est cette lenteur à recharger son arme, ce qui est épouvantail. C'est épouvantail, oui, bien sûr, mais utilise des mots qui n'ont rien à voir dans le jeu, gros. C'est bien. C'est épouvantable, c'est. C'est ça. Le mec, il recharge trois fois son arme, ce pédé. Et par rapport à Fallout 3, on peut pas réparer les armes. Enfin, si je crois qu'on peut. Enfin, je sais pas, je me rappelle plus. Enfin, si je pense que. Enfin, je comprends. Bon, il y allait où ces putains de lignes hein. Pas y passer long. Non plus deux heures. Là.
Putain, on dirait un robot, ça, regardez. Un putain de robot. Ouais, faut aller par là. C'est l'heure de mourir. Je cours. Ah bah c'est là, c'est ici, voilà. Parce qu'en fait, je dois rencontrer... j'ai une puce que... Et je peux pas la décrypter sans rencontrer des personnes qui le peuvent. Voilà, chercher le réseau du rail. Ah, je les avais oubliés, putain. Et de la radiation. Putain. Tu me cherches normal. C'est beau ça. Pff, ouais, de toute façon, ça, les munitions ne prennent pas de poids. En tout cas, pas tous. Y'a pas peur derrière Moko là. J'ai pas, je vois un truc. Ah, c'est mon bras. Je l'ai pas eu, genre. T'es où, Roger? Faire dodo. Il y en a un, mais je sais plus où, enfin, je sais pas où les, je veux dire. Et voilà l'espèce de dalle que je vous parlais. Ouais bon, on va faire ça sans Piper, je crois qu'il est haut en fait. Ouais. Et en fait, le mot que je dois écrire avec les lettres là, comme vous pouvez voir, ce sera le appuyer. Ah non, il... Ce sera le mot rail déjà. Alors déjà, faut que je le fasse tourner le truc. Ça tourne. Non mais c'est pas ça que je veux faire, parce que normalement je peux aussi le faire tourner de l'autre côté. Mais je sais plus comment. Déjà pas comme ça. Ah ouais, comme ça. Pas du tout. Ah bah d'accord, ah ouais c'est de l'autre côté, ok. Futile, ouais. On appuie là. Il me faut le A. Ça commence donc par un R. Ensuite là, le A. Merde. Pas trop. I. Mais L, c'est bien s'ils sont à côté l'un de l'autre. Ensuite, je dois appeler, d'accord, à écrire ROAD. Ça fait que... Il me semble que je peux utiliser quand même les mêmes lettres que j'ai utilisées. On va pas prendre le risque parce que je suis pas sûr, quand même. On va en prendre des autres, au pire. On va prendre ça, par exemple, voilà, nickel. Hop. Oh. Et un dé, et ça sera fait. Il me faut un dé. Bah tiens, je vais mettre le dé là-bas. Le dé de, je sais pas quoi. Le Freedom.
Voilà. Et là, ça va s'ouvrir. Ici. Et voilà. Le passage secret est enfin ouvert. Est-ce que je peux refermer ? Ouais, je pense que c'était pour fermer la porte. Pas un geste. Vous n'avez pas ménagé vos efforts pour arranger cette rencontre. Hein, Piper ? Mais avant d'aller plus loin, vous allez répondre à mes questions. Jamais ! Qui êtes-vous ? Pas un geste. Posez vos armes. Rien contre vous. J'ai récupéré un truc, êtes-vous ? Et si vous commenciez par me dire qui vous êtes ? Dans ce monde de suspicion, de trahison et de chasseurs, nous sommes les seuls amis des synthétiques. Quel joli monde ! On nous appelle le réseau du rail. À vous maintenant. Rien contre vous, j'ai récupéré un truc. Je récupère des trucs. J'ai suivi le chemin de la liberté pour trouver le réseau du rail. Je n'ai rien contre vous. Si c'est vrai, vous n'avez rien à craindre. Qui vous a expliqué comment entrer en contact avec nous ? Docteur Amari. Protégez vos sources, ouais. Je ne veux pas causer d'ennui à qui que ce soit. On le découvrira, d'une façon ou d'une autre. Dernière question. Qu'est-ce que vous faites ici ? Droit au but. Je dois décrypter une puce de chasseur. Vous avez quoi ? J'espère que ce n'est pas une plaisanterie. Je savais pas qu'on faisait la fête. Et mon invitation, alors ? Oh, je vois que vous avez invité l'as du dégommage de chasseur. Sympa. Deacon, t'es en retard. Tu dis qu'on a affaire à quelqu'un qui a réussi à tuer un chasseur. Sans aide ? Même Glory en baverait. T'es pas au courant ? Ce type a déjà une réputation dans le coin. Si t'as fini de l'interroger, vaudrait peut-être mieux faire preuve d'un peu de courtoisie à son égard. Je vous dois des excuses. Tous ceux qui nous débarrassent des chasseurs sont mes amis. Je m'appelle Desdemona. Et c'est moi qui dirige le réseau du rail. Diplomate. J'espère qu'on arrivera à trouver un accord. Ce que vous nous demandez nous met dans une position délicate. Dez, il faut qu'on le laisse entrer. Il a une puce de chasseur intacte, putain. Et les protocoles de sécurité ? Mais on s'en fout ! Il a tué un chasseur. C'est bien la preuve qu'il bosse pas pour l'Institut. On va vous laisser entrer dans notre quartier général. Aucun inconnu n'a eu ce privilège avant vous. On discutera de votre puce à l'intérieur. C'est dommage de voir un endroit pareil à l'abandon. Bah il est plus à l'abandon, tu vois pas qu'il est peuplé là de personnes qui voulaient nous faire de notre peau là. Piper, Piper, je vais te faire enlever cette armure. Bon c'est bon, je peux rentrer alors. Je vous suis. QG du réseau du rail. Le décryptage d'une puce de chasseur est une opération très délicate. Il y a un paquet de trucs qui peuvent aller de travers. Le moins pire étant la perte des données qui sont dessus. Heureusement, on a un expert sous la main. C'est qui l'expert ? C'est lui, là. Salut, Dez. T'as besoin de quelque chose ? Tom, notre camarade a une puce de chasseur. Non, sans blague ! La vache, ça fait un bail ! Bien, mettons les choses au clair. Tom peut vous obtenir ce code. Mais ensuite, la puce est à nous. Tenez. D'accord. Tenez. À toi de jouer, Tom. Montre un peu ce que tu sais faire. Allez, ma petite puce... Voyons un peu ce que l'analyse. Oui, vous poussez, vous me gâchez la vue. Ah bon. C'est bon ! On a accès à la puce. Voyons si on bidouille les connecteurs analogiques. Hein ? Ouais, bon, c'est bien bon tout ça, mais bon. Tu vas pas me lâcher maintenant ? Je peux dormir. Allez, tiens bon ! Ouf ! Fausse alerte. Les algorithmes de cryptage. Ok, on est toujours sur les rails. Tortue. Oh. Merde. Ils ont ajouté des décimales au dernier chiffre. Ça va être... Allez, ma belle, fais voir ta séquence.
Où elle est ? Émile. Pas de coup fourré, compris ? Il utilise la même fonction logarithmique que le générateur de clé. La vache, on a du bol. Non. Je te tiens, saloperie. Je te tiens. Je suis en train de s'exciter sur son ordi. Ça me fait penser un peu à GoldenEye avec l'autre. Sur son ordi. Donne-moi les codes, Natalia ! Donne-moi les codes ! Vous l'avez pas vu ? C'est épique. Rien que pour ça, ça vaut le coup de voir le film. Non, moi, c'est... Venez, il est temps d'y aller. Ah, enlève ton armure, s'il te plaît. Ah, je peux peut-être lui dire de... Non, mais attends, viens. Hé. Hey. Vous n'avez qu'un mot à dire. Examinez le matelas. Allez voir ce que c'est. Je voudrais bien, mais je peux pas. Voilà. Allez voir ça. J'aimerais pouvoir vous aider. Là, tu passes pas avec ton armure, tu vas me dire. J'ai... Oh, ça, c'est con. Ils sont dégueulés, les poils. Tiens. Mets-toi couché. Faut que je t'examine. Pourquoi c'est vert des fois ? Hein ? Tu sais, tu peux y aller maintenant. Jeter un œil. Désolé, je peux pas. Bah, enlève ton armure. Putain, mais comment je fais ? Mais en fait, l'autre jour, elle avait réussi. Enfin. En même temps, elle avait enlevé son armure tout seul. Mais moi, je veux qu'elle s'enlève. Examine maintenant. Ah ! Ah ! Pas peur ! Oh ! Annuler, rester, échanger, parler. Piper. Une petite seconde. D'accord, bon, bah, c'est super. Oh là, faut putain d'armure, s'il te plaît. Pas trop fourré, compris. Bon, c'est bon, il s'est amusé. Allez. Oh, l'outil, il s'amuse encore. Cette foutue base. Et voilà le travail. Ça y est, on a le code. Oh, là, son armure. Attendez, je le mets sur holoband. Bien. Eh, j'ai une holoband alors. Voilà, lui, ton putain d'armure. Allez, allez, n'aie pas peur. Commandez. Ça m'énerve. Comment on fait, putain? Ah. Pas peur. Arrête de faire partout. Allez, sors ton armure. Hey. Montrez le chemin. Par ici. Ça marche. Venez ici. Je sais plus comment j'ai fait. Ah, peut-être que si je lui dis de se mettre assis. T'as peur ? Hé. Hey. Faites-moi signe. Assis. Examine les chaises. Par là-bas. Non, impossible. Bah oui, bah lève ton armure. Jetez par... Allez, jete par là-bas. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ici. Ouais. Bon, ben c'est bien. Et alors, je fais quoi maintenant ? Ils ont décrypté la puce alors. Ça fait quoi ? J'ai un. Retourner voir Virgile. Sauvegarde automatique, si tu veux. Piper, je sais pas où elle est. Ah, elle boude. Attention. Où ça ? Nulle part, mais viens. Attendez là. Ok. Suive. Dans ce suive. Cas, je serai là. Allez. C'est d'accord. Mais non, moi, je crois qu'il y a une porte où je peux sortir plus facilement. Pas de coup fourré, compris ? Mais chier, Piper, enlève ta putain d'armure. Normalement, tu dois dormir avec moi en plus. Merci. Ah, ça fait plaisir. Eh bien. Plus jamais tu mettrais une armure dans ta vie. C'est vrai que ouais, que... Putain, fallait que tu sois loin. Bon, il y a le premier DLC de Fallout qui vient de sortir là. Il y en a 3 en tout qui vont sortir. Le premier vient de sortir.
Et je le prendrai sur... Bah oui, je le prendrai. Ah, ça c'est bien, c'est pas... Je suis pas obligé de faire... De faire un code. Pour ouvrir cette foutue porte. Ça c'est tous les codes à me dire que j'ai pécho sur internet. Et bah voilà quoi. Comme ça j'ai pu me mettre de l'or, du verre, du bois, de la fibre de verre, enfin tous les trucs pour construire son petit abri. Enfin, son pour des personnes voilà quoi. Qui chercheraient à faire une colonie de vacances. Virgile. Virgile, c'est le mutant en fait. Qui est hors de la map, lol. Il y est là, Virgile. Virgile, tu dors. Vous voudriez pas qu'on sorte d'ici? Parce qu'à mon avis, on serait pas très sexy comme ghoul. Non, on va pas sortir, on va rentrer. Vous préférez pas mettre... Elle s'est tirée une balle. Bouge pas. T'as une tête bizarre. Ça c'est le lit de Virgile. Regardez-moi ça. Putain, mais il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Pourquoi tu sais... Pourquoi t'as ton arme? Il y a qu'un ennemi ici. Hein. Ça y est, ils sont partis? Oui, oui. Range ton arme, C'est mon pote. Je me demandais si je vous reverrai un jour. C'est pas ce qu'ils sont comme ça. Alors, vous avez réussi. Je l'ai. J'ai le code. J'aurais dû m'en douter. J'ai le code. Après tout, vous nous avez bien débarrassé de Kellogg. Éliminer un chasseur, ce n'est pas beaucoup plus difficile. Comment vous avez réussi à la décrypter? Des amis. Je me suis fait quelques amis dans le Commonwealth. Tant mieux pour vous. C'est pas avec une gueule pareille que je m'en ferai, moi. Moi non plus, je n'ai pas chômé. J'ai fait tout ce que j'ai pu en fouillant dans mes souvenirs et dans toutes les informations que j'ai pu glaner au fil des ans. Et voilà les plans que j'ai pu en tirer. J'ai eu du mal avec ces mains. Elles ne sont pas faites pour du travail de précision. Pour faire simple, vous allez devoir assembler un appareil capable de pirater le signal utilisé par l'Institut pour téléporter ces chasseurs, de manière à ce qu'ils vous téléportent à leur place. Vous savez ce qui est le plus fou? Cette station de musique classique. Ces ondes servent de signal porteur pour le relais. Toutes les données sont codées en fréquence harmonique. Tout le monde les entend. Je tiens à préciser que ce n'est pas mon rayon. Je travaillais en biosciences, pas en ingénierie ni en système avancé. Ça ira. Je sais que ça va marcher. Attention, je ne vous garantis rien. Mais si vous pouvez fabriquer cet appareil et utiliser le code, vous devriez pouvoir pirater le signal du relais de l'Institut. Vous en êtes capable? Vous connaissez des gens qui pourront vous aider? C'est un sacré boulot pour une seule personne, même comme vous. J'ai la situation en main. J'ai la situation bien en main. Tant mieux. Parce que vous devez réussir à entrer. Pour nous deux. N'oubliez pas notre accord, hein. Ouais, Je vous ai aidé du mieux que j'ai pu. Il a des crayons de papier. Si vous réussissez à entrer, trouvez le sérum. Ah, sa ceinture. C'est ma seule chance de redevenir normal. Trouvez-le, je vous en prie. Allez, prenez ça et mettez-vous au travail. Faites le nécessaire. Mais qu'est-ce qu'il parle beaucoup, blablabla. Ta gueule, voilà. Ici. J'ai cru que c'était Piper qui s'était retrouvé dans une armure, j'allais la péter, putain, mais en fait c'était le robot. Oh putain, blablabla. Plus d'action, moins de blabla. On parle de Piper, elle est où elle? Bon. Oui, voilà, ouais, c'est vrai.
bah ça c'est fait. Hop. Parler au réseau du rail. Ah ouais, c'est vrai que j'ai plusieurs choix, je peux parler à la confrérie, je peux... Ah oui, non mais... Ça, je m'en fous de ça. Ouais... Le réseau du rail. Bon, en ce moment, c'est l'euro. Euro 2016, football. La France s'est qualifiée pour les huitièmes de finale, mais franchement, elle n'a pas été vraiment impressionnante. Bon, elle a gagné deux fois, mais de peu. Et le dernier match contre la Suisse était vraiment lamentable. 0-0, super. Didier Deschamps était content, normal, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Il visait juste la qualification. Enfin bref. C'est vraiment con pour les supporters qui payent un billet de stade qui coûte quand même pas mal d'argent et qui vont regarder un match pour voir une équipe. Ouais quoi, un match, deux équipes qui se finissent à 0-0, je trouve que c'est nul. Enfin ouais, que c'est pourri. Moi je dis qu'en finale il y aura l'Allemagne et l'Italie. Et c'est l'Allemagne qui va gagner. Ouais. Comme ça, moi je dis ça comme ça. Pff. Je m'en tape plus, on verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire, je me rappelle plus. Même si je verrais bien l'Italie gagner aussi, parce que ouais quoi. Mais bon, on verra bien. De toute façon, voilà. Je voulais dire quoi, je me rappelle plus. Pff. C'est tout. Et c'est sur ces mots à la con que je vais arrêter cette vidéo parce que. Voilà quoi, on est à plus de 30 minutes de game. Je me suis trompé de sens, un truc de malade là, c'est bon. Genre, il y a encore un vieux ici. Ouais, en fait, il est là-haut, je pense. Genre. On peut pas fermer l'or. Si on doit bosser ensemble, je dois d'abord m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Vous savez ce qu'est un synthétique, pas vrai? Je connais. Oui. Je sais tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet. Bien. L'Institut les considère comme des objets qui lui appartiennent. Des outils. Ces esclaves. Pourquoi faire ça? Continuez. Continuez. Donc on essaie de libérer les synthétiques de leur chaîne. De leur offrir une vie normale. J'ai une question pour vous. La seule qui compte. Est-ce que vous risqueriez votre vie pour votre prochain, même si ce dernier était un synthétique? Je risquerais ma vie. J'ai fait le serment de protéger mes compatriotes à une époque. Je ne vois pas en quoi ce serait différent. Bien dit. Vous avez des aptitudes et un état d'esprit qui nous intéresseraient, normalement. Mais on n'a pas le temps de former de nouveaux agents actuellement. Ceci dit, il y a d'autres manières de contribuer à notre cause. Et en échange, on pourra aussi vous aider. Deacon vous en dira plus. Vous pouvez y aller. À vos ordres, madame. Déconne la déconne. Ouais. Mais c'est le plus déconne. Bon, bah, c'est cool, non? Qu'est-ce que t'en penses? Le train de tes injures. Voilà, on va se quitter ici et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.